Et coucou, aujourd'hui c'est un découverte, aujourd'hui c'est Altalet Taverne et j'ai lancé direct et je vous présente ça dans un instant. Je rejoins Sheka qui va jouer avec moi aujourd'hui, qui m'entend sûrement dans le chat. Je ne connais pas le jeu, c'est ça, il m'a fait bonjour, j'ai besoin de toi lundi. Bonjour. Lundi j'ai besoin de toi pour une découverte, tu ramènes ton cul. Donc me voilà. Bon, on attend que l'autre sac. Voilà, bon ça va tranquille, j'ai payé ma clé, bon, donc ferme ta gueule. Je lui offre un jeu, il m'entend pas. Il est aussi en train de faire son intro, ce sac. Il m'entend pas encore, ce sac. Non, il m'entend pas, en fait. Et il vous fait un méga gros plan sur un truc de merde. Ah non, mais en fait, je vais Discord. Dire à l'entendouille de se démute. Non, mais attends. Non, mais c'est Discord. Toi, que je dise bonjour. Allô ? Allô, allô ? Allez. Discord. Ah là là. Mais je suis pas démute, c'est Discord, il marche pas. Ce sera sûrement aussi la dernière, il y a très peu de chance. Ferme ta gueule, putain. Putain, c'est Discord qui marche pas. Je relance Discord. Bon, en attendant, on est sur Al and Tal Tavern, un jeu de job sim de taverne, où on gère sa taverne, qui a la particularité de jouer en coop. C'est développé et édité par Sienna. Allô, allô, tu m'entends? Et il m'entend pas, hein. Il m'entend pas, pourquoi bon, il m'entend pas? On m'entend sur le chat. Oh, on m'entend sur le chat. Non, je t'entends pas. Ouais, je vois bien qu'il m'entend pas. Non. Bah non, en fait, vu que c'est une des meilleures tables son qui existe pour le stream. Bah ça a pas l'air des masses de marché. Et en plus, je m'entends en double. Allô ? Mais en fait, mon micro, il s'active pas sur Discord. Quand je parle, je m'entends en double. Mais tu m'entends en double, connard, parce que on entend ton son dans mon stream et que t'as mon stream d'ouvert. Allez. Je continue de parler un petit peu le temps que tu aies le temps de régler. Et que bah je ouais, puisse mais à nouveau ça marche pas. Ça marche pas. Voyons voir. Ouais, bah là d'ailleurs, je t'entends même plus. Bah normal, je parle pas. Bah j'ai un problème. Non, c'est même si tu parles, je t'entends pas. Tu m'entends là sur Discord? Là actuellement je suis sur ton stream en train d'écouter pour voir si tu me parles. Je suis pas muet serveur. Application. Muet serveur. Allô allô. Ah c'est trop chiant. Non. T'es pas muet serveur. 1-2-1-2. Ouais. Défaut. 1-2-1-2. Tu m'entends? Ah tsa FF, ça est un con. Je comprends pas, sur défaut ça marche, mais si je suis sur le bon channel, ça marche pas. Ok, c'est cassé. On est sur Al Tavern, c'est un jeu développé par Cyanart Game qui n'a fait que ça et c'est édité par Grab the Game et Upgrade Point. On les remercie de nous avoir envoyé deux clés pour jouer en coop. Merci. Je rappelle, dans leur catalogue, vous pouvez trouver Gladiator Guild Manager qui était ok, Rungor qui était sympa, Autosal Live c'était de la merde, Unity Penguin Kingdom c'était approximatif mais sympa, Oxygen c'était sympa. Voilà, à part Auto Cell Life qui était vraiment nul, ils ont des jeux très indés mais plutôt agréables. J'étais parti de la VOC en fait à la base pour redémarrer juste Discord en fait parce que mon chat, mais c'est Discord qui fait de la merde parce que mon micro là il marche là sur le stream tu vois. Bah oui mais là je t'entends aussi. Ouais. Moi, mon jeu est déjà lancé. Je suis en train de faire mon avatar. Est-ce que tu as fait ton avatar? Oui, je l'ai fait en amont. Et bah, moi, je l'ai pas fait en amont, donc on va faire ça tout de suite. Enfin, je l'ai fait. J'ai spam clic sur random jusqu'à ce que j'ai trouvé un truc drôle. Hop. Par contre, dégoûter, tu peux pas faire de femme. Bah. J'ai pas trouvé comment faire. Ah, bah oui. Tu vois, moi qui voulais être une belle serveuse mignonne, polie et agréable, bah nique sa race. Voilà. Je vais devoir être un barman normal, aigri et qui tire la gueule. Comme ça les barmen naines sont toujours comme ça? Je vois pas de quoi vous parlez. C'est non, raciste. Non, les barmen naines, les barwomen naines sont plutôt agréables. Justement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était raciste. C'est que c'était un cliché à la con. Parfait. Voilà. Je fais de. Je... Hop, voilà, le perso est créé. Nouvelle partie. Comment on rejoint supplément sec, clic droit.
Alors, je peux pas te rejoindre. Ah oui, je suis en train de créer. Je vais montrer mon avatar au stream, voilà. Bah oui, c'est un FPS. Ouais. Les gens, sinon ils pourront voir chez moi. Ok, alors là, j'ai créé une partie. Là, c'est bon. Ouais. Ok. Marais, les champs, la forêt, bonjour. En vrai, tu sais que tu peux mettre le jeu en français? Oui, le jeu est en français. Mm-hmm. Alors, j'entends ton jeu dans ton micro. Alors, attends, il y a un problème. Try on the role of an owner. Test yourself. Nice to meet you. And who might you be? I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place, but perhaps I'll stay. Là, tu l'entends toujours? I see potential in you, and where there's potential, there's trade. In short, if you need anything, come to me. Discord est débile aussi. Allô? Ouais, bah là, tu m'entends plus. Là, c'est bon, j'entends plus. Ouais, mais tu m'entends plus non plus si je le... Voilà. Our land is wonderful indeed, là, je l'entends à nouveau. Allô, peaceful, m'entends? Là, tu m'entends? Toi, je t'entends, mais j'entends toujours plus. Ok, attends, on va essayer autre chose. Ok, là, tu m'entends et là, tu m'entends plus le temps plus le genre. Ouais. Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories. But getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern and to send any trouble. You have a way with words. And du coup, j'ai pas dit tout lui ce qu'il a dit. If you wander off, other buyers might come along, prove to be more decisive, and you'll miss out on this fan. Understood. I'll hang around nearby. Ouais, je lui ai dit ferme ta gueule. Il nous dit bah non. Interested in making a deal? Acheter une hache. Interested in making a deal? Ah, ok, alors faut que. Ah, toi aussi, tu t'es mis un truc sur la tête? Ouais, faut parler à la caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse. Acheter une hache. Bûcheronnage! On va pas qu'il se lasse parce qu'il est beau. J'aime bien. Non, il est beau, tu le laisses. Il est beau, tous les arbres sont pareils. Non, celui-là il est roux. Tu laisses les roux. Détruisez les planches pour entrer dans la taverne. Ah, faut d'accord, ok, c'est pas. En fait, ils ont dit la hache, c'est pas pour couper des arbres, c'est principalement pour casser la gueule aux clients un peu débiles. Un vrai bonheur. Bah attends, ça marche pas. Je peux... Ah, mais il faut juste pousser. Ah. Oh là, la lumière. Oh, il fait sombre. Aziz, lumière. Voilà, ok. Jour. L'interrupteur Par est contre, un peu complexe. C'est coup de lag. Ouais, dès que t'as allumé, il y a eu une chute d'FPS. 7. Détruisez 3 vieux fûts aux caisses. Bon, j'imagine qu'il faut. Oui. Acheter un balai. Allez, femme. Non, on n'a plus le droit de faire ce blague. Non. Menu. Ça dépend, tu m'épouses. Je veux bien être considéré comme ta femme alors. Si ah oui, mais du coup, faut que tu te renommes en Chikagameuse. Non, je prends pas le nom des. Ils ont dit quoi? Un balai. Est-ce qu'on a chacun notre argent à nous? Toi, t'as 2200? Oui, mais okay. En même temps, on a acheté une chose donc. Ouais, mais comme c'est 200, si on avait acheté chacun un truc, toi, ça devrait être différent. On devrait être à 2000 et pas 2200. On a chacun notre argent, je crois. On devrait être à 1800. Emplacement pour vaisselle, je visite un peu. Moi je balaye. Ouais, y'a du foin là. C'est dommage, c'est bien pour les poules le foin. Mais on a pas de poules. En tout cas, non. Tu vois, je dois te dire une chose, hein. Je suis le premier à râler. Y'a des trucs au plafond aussi à balayer. Oui, je suis le premier à râler, mais le jeu est beau. Oui, le jeu est pas trop mal, il y a une DA simple. Elle me rappelle beaucoup le précédent que j'avais essayé aussi. Taverne Simulator. Ouais, Taverne Simulator. Bah, c'est une DA très très haut, très quoi. Un peu cartoon et MMO, tu vois. Tiens, attends, viens, j'ai tout de suite envie d'essayer de casser le jeu. Viens là. Non, c'est attends, ça. Je nettoie. Il y a encore des toiles d'araignée là. Tu bosses oui, pas. Les toiles d'araignée au plafond. Il laisse les araignées tranquilles, ça bouffe les moustiques. Mais on n'a pas de moustiques, y'a pas d'eau à côté. Viens là, viens. Mais regarde, la porte elle est encore pétée. Viens. Là. Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux essayer d'accéder au-dessus? Ouais, mais si je peux pas grimper sur toi, ça sert à rien. Essaye de passer déjà par là. Non, je peux pas, tu peux pas sauter plus haut que ça. Ah si. Ah ouais, mais tu seras. A voir s'ils ont pensé à tout, vas-y.
Oh, il faut que ah, tu te mettes. J'ai une hitbox rampe. Ouais, non, t'es une hitbox de surf. Ouais, c'est chiant. Inventaire du joueur 2, inventaire du joueur 3, inventaire du ouais, joueur 4. Ok, ils disent acheter un portefeuille, un lave-vaisselle. Acheter une cuisinière, acheter un fermeteur, un fermenteur. Moi j'achète les 3 premiers et t'achètes les 2 derniers. Non, t'achètes les 2, oui. J'achète les 2 premiers. Et j'achète les 3 derniers. Et les 3 derniers, ouais. Donc j'achète un portefeuille et un lave-vaisselle. Ok, donc moi j'achète la marmite de brassage, les poêles. Portefeuille, lave-vaisselle. Ouais. J'imagine qu'il faut les installer maintenant. J'appuie sur tous les boutons pour voir sur quel bouton il faut appuyer pour... Bah pour faut courir. Juste que tu... Ah, pour courir. Mais en fait on court naturellement. Oui mais il court pas assez vite. Tu rigoles là? C'est déjà trop vite. Non, pour moi c'est lent. Non. Non. T'as pas joué assez de Walking Simulator. Ça court non, ultra... Non, justement je joue non, pas. Mais la majorité des jeux, tu te rends compte que quand tu marches, tu ne parcours pas cette distance. Alors, c'est des nains. Placer, tourner. Pourquoi j'arrive pas à le poser, à placer quelque part. Placer. Ah, bah le lave-vaisselle, on va le mettre là. Tu l'as mis là. Attends, c'est quoi? T'as mis la cuisine là? C'est quoi ça? Marmite. Machine à brassage. Ouais, non à côté, mais comme non ça, mais non, de... mais la machine à brassage, ouais, voilà, à côté de, à côté du tonneau, à côté du fermenteur. La cuisine, mais... il faut autre chose. Mais comme... Comment t'es merde d'abord. Moi j'ai juste foutu ma merde en premier, comme ça tu peux agencer ensuite. Ça c'est un lave-vaisselle. Bah oui. X enlevé. Ah c'est toi qui... C'est toi qui a payé le truc, c'est toi qui décore, tu me fais pas chier. Hop. Un menteur commençait à préparer. Fût de bière. Il faut un seau d'eau et du malt d'orge. Non, je peux pas glitcher à travers les murs, fort. Ah oui, mon premier réflexe c'est d'essayer de péter le jeu. En plus... Est-ce que je peux pas faire un bug de collision avec la porte? Non, non, ah je non. peux pas. Non, c'est pas ce genre de porte. Non, on sait jamais, vaut mieux essayer. Donc t'as dit saut, c'est ça? On peut pas. De quoi? On peut pas acheter de saut. Non mais faut qu'on finisse déjà le portefeuille sur le comptoir. Hop. Bah tu as toujours pas installé le portefeuille? Non mais j'avais pas compris que c'était sur le comptoir en fait. Je cherchais au sol. J'achetais un fût de l'orge, un saut, une chope. Ah okay. Nice. J'achète un fût et de l'orge. Ouais, moi j'achète un seau, une chope. En vrai, tu sais quoi, je prends tout. Voilà. Une chope. Remplissez le seau avec de l'eau. Oui, bah justement, faut du coup trouver l'eau. Attends, le fût, j'imagine, il faut le mettre là. Mettre un objet. Ok, on a un puits juste derrière la maison. Oh putain, ça reste appuyé pour remplir. Ah. Ah bah oui, c'est job sim. Remplir le seau. Bah remplir un seau que j'ai pas en fait. Tout à fait. Préparer un mou d'orge. Comment ça marche? Alors malt d'orge, il faut de l'orge et un seau d'eau. Et t'as un seau d'eau là? Moi j'ai rempli déjà le lave-vaisselle avant. Pourquoi t'as rempli le lave-vaisselle d'eau? Par priorité. Oui. D'accord. Par priorité. Oui, oui. C'est pas la quête mais... Alors un moment... Non mais à un moment... Tu comprendras que... Non que mais attends, quand tu comprendras que dans les job sim, si tu le fais pas dans l'ordre, tu vas juste ken. Non, c'est, faut les faire dans le... Non mais moyen, faut faire... C'est non, le meilleur mais... moyen de savoir si ton jeu est cassable ou pas. Mais non mais c'est pas le problème si de ton jeu est cassable. Si t'as un con qui fait pas le tuto, c'est normal que tu progresses pas. Ton jeu est mal codé. Non, c'est juste que t'es un con. Non, si ça bloque le jeu... Mais tu es un con, Sheka. Tu es un abruti. Putain! Si tu peux casser ton jeu avec une simple erreur comme mais c'est ça, pas cassé! C'est pas justement, cassé! Moi je te parle de casser. Après, si t'avances pas, c'est normal. Mais moi je te parle de casser. Ok, donc là c'est en train de brasser. Ok, ok. Là il veut quoi? Du malt et un seau d'eau. Donc il refaut un seau. Ouais, je vais me prendre un seau aussi. Hein. On va voir comment il est le mou d'orge. Cher. Non! Comment il est? C'est ce que on est en train de cuisiner en fait là. Son niveau de brassage. C'était où le seau? Dans outil. Dans outillage? Bah oui. Ah oui, ok. Je suis aveugle. Shop. Je vais prendre une shop aussi au cas où.
Faut mettre de l'eau dans le tonneau aussi. Hein. Il a deux secondes, je vais chercher de la flotte. J'en ai fait un autre là, comme ça on en a un d'avance. De quoi? De tonneau. De tonneau de quoi? De brassage, là. Là, regarde-moi. Regarde un peu. Quoi? Tu vois, là, il y en a un, et dedans, il y en a un aussi. Non, c'est pas la même chose. Tu te rends compte que c'est deux appareils complètement différents. Que là, que tu fabriques du mou pour le brassage, et que là, c'est pour le fermenteur. Celle, je veux bien que tu sois fatigué, que t'aies fini de taffer. Non. Mais quand moi, je te parle de « j'ai fait quelque chose », tu penses bien que je te parle de l'ingrédient que tu fais avec ça? Pas que tu fous la de... Pas... Ah ouais, mais si t'en as fait un deuxième, tu l'as sur toi? Ah d'accord. Je croyais que c'était le même. Je croyais que c'était celui qu'on avait lancé. Ah ouais, mais j'ai pas ton inventaire. Non mais j'ai pas ton inventaire. On peut pas deviner. Non, on peut pas interagir avec une fois qu'il est lancé. Pas tant qu'il est terminé. On a juste fait de la bière, voilà, ok, on a de la bière. Donc maintenant on a le fût de bière, on pose là-dessus. Mais mets un autre malt d'orge. Juste je vais poser ça ailleurs. Hop, je vais le mettre là au milieu. Parce que c'est sur le côté, c'était un peu chiant. Voilà, ok, prendre une chope. Bien anglaise nécessite une chope. Merde. Hop. Prendre une chope nécessite une chope. J'ai une chope. Ah voilà, ok. Pas d'animation, ça manque d'animation un peu. Oui. Ça manque un peu l'animation. Mais en vrai, trop d'animation tue l'animation donc. Ouais, mais tu vois, mais tu peux avoir des animations simples et rapides, hein. C'est pas. Ah oui, je dis pas le contraire. Moi, ouais, je sais pas, j'aime bien le plaisir de voir la bière couler, tu vois. Mets ton malt dans le fût. Dans le fermenteur. Ton malt. Et cuisine. Ok, mais on n'a pas de quoi porter, avoir un deuxième toujours porte. Toujours avoir un stock. Ouais, mais ça peut peut-être règle périmer en fait. Règle numéro 1 de barman. Non, arrête. À partir du moment où la bière ne périme pas. Si, la bière ça périme. Non, ça tourne. Non, c'est la bière ça périme. Et si ça périmait, il y a du sucre. Il y a de l'alcool. Je crois que ça perd ses bulles, ça perd son goût et ça donne la chasse. Oui, ça perd son goût et... Pas périmé dans le sens qu'on a... Achetons une table, vas-y j'achète une table. Mais de toute façon j'ai une table rectangulaire. Alors celle ? Oui. Tu viens d'acheter la table ? Ouais. 300 balles ? Ouais. Oui. Ça me les a retirés. Ça te les a retirés ? Ah donc c'est un pot commun. Bon, c'est pas clair parce que quand on achetait des... Ah c'est peut-être... Peut-être qu'il y a des pots communs et des pots pas communs. Ce serait chelou parce que du coup ça veut dire que ça on nous la met a coûté où on la met centrale genre un peu gênant comme ça. En vrai je l'aurais mis un peu plus sur le côté mais ouais. Ouais mais pour l'instant il y a pas d'autre table donc ça veut dire ça va tout y avoir d'un côté. Non bon pour aller préparer un porridge d'orge. Vas-y prépare le porridge. Alors attends perso hein, moi, je vais finir de nettoyer. Perso moi je le mettrais plutôt comme ça tu vois. Voilà. Parce que moi je la mettrais plutôt comme ça. Prépare le porridge. Je sais pas comment faire mais prépare un porridge. Si t'as dans... C'est dans recette. Il faut de l'orge et un seau d'eau. Il nous faut de l'orge. Ouais. Bah j'ai le seau d'eau, j'ai pas d'orge. Tu peux aller chercher. J'imagine qu'il te faut un verre. Ouais faut que t'achètes. J'ai un bol. Ah c'est dans la poêle. Ah ok d'accord. Ah c'est ici. Non c'est pas dans la poêle, c'est dans la marmite. Oui c'est dans la marmite seau d'eau et il manque juste l'orge. Attends je vais remplir mon seau. Ah tu peux boire. Tu Drink, peux boire. Bois. Alcool. Ah ça m'enlève des points de vie. Bois ta bière. Pas ouf. Bah, ouf, la perte de points de vie. Ouais. Non, mais résultat, si on la boit, le problème c'est que bah là faut pas trop la boire au début. Ah oui, non, mais là c'était pour tester. C'était pour voir ah, si mais résultat, ma chope elle est sale. Oui. Oh, et t'es obligé de. Bah, par contre, il y a des bugs de lumière. Hein. Ouais. Ah, faut que ah je... non ok c'est qu'elle est oui c'est qu'elle non, est vraiment dégueulasse. C'était en fait. Vraiment je me la suis mis dans le cul après l'avoir bu quoi. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ok. T'en sors avec le porridge. Ah ou... ouais. Ok bah pour l'instant on a pas de clé. Hein. Ah ouais tu peux voir oui parce que c'est fermé. On n'a pas encore ouvert. Si on veut ouvrir, il faut... On peut pas nettoyer les affiches, là, dégueulasse, là. The first dish is cooked. Non, je peux pas... C'est vrai que... Contrôle son vidéo, plein écran, flou lumineux.
Ok. Bah, c'est juste il fait nuit en fait. Rad, viens voir. Prendre porridge d'orge. Ajouter le porridge d'orge au menu. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça qu'il faut faire. Parle au bouquin. J'ai vu, mais je voulais te laisser le faire. Variété 100% shop. Ouais. Ok. Ah, tu peux pas décider du prix, c'est dommage. Si vous servez les mêmes plats aux clients, leur valeur diminuera et vous recevrez moins d'expérience. Ok. Open the tavern. Where is the... Ah, is here. Devant. No, it's ouvrir. Ouvrir. C'est ouvrir. It's opening. Et de l'autre côté, c'est ferme. C'est ferme. Mm. Accueillir des visiteurs et servir trois plats. Bon bah on attend. Voilà, moi je vais attendre là. J'ai envie d'aller derrière, on peut pas où. Ah putain, et bro, est-ce que tout est propre? Achète des assiettes et des chopes. Pourquoi? Parce qu'on peut, parce que c'est une assiette, un repas. Ah, je vois un client. Oui, bah, c'est une assiette, un repas, une chope, bah un... non. Bah non, réfléchis. Bah si. Réfléchis. Non, viens. Réfléchis. Viens. Réfléchis deux secondes. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais après que t'aies mangé avec tes assiettes? Oui, tu les laves, mais là, ça veut dire qu'on peut servir qu'un client à la fois. Ouais, bah là, t'inquiète, y a pas l'air d'avoir full. Hein. Déjà que le premier, il met 10 ans à arriver, là. Ah, il est déjà là? Ok. Oui. Ah, bonjour madame, excusez-moi. Prends-en un deuxième, si jamais il y a un autre colère qui vient, comme ça on peut servir quelque chose. J'ai pris une autre assiette. Ouais. Donc maintenant tu... Merci. Voilà, l'emplacement pour... Hop. Ah, comment t'as fait pour placer la bière? Bah j'ai pris la bière et j'ai appuyé sur E, qui est marqué emplacement pour vaisselle. Ah oui. Ah bonjour monsieur, on va vous appeler Régnard du pauvre. Il veut un porridge. C'est parti, tenez monsieur, au revoir. J'ai cru que t'étais venu les mains vides. Hop. Est-ce que je peux mettre... Est-ce que le résultat, je peux mettre l'assiette sale dessus? Non, faut quand même. Non, faut que je l'amène. Il n'y a pas un rack à assiette sale. Bon, je vais faire la vaisselle, j'ai compris. Hop. Voilà, hop. Tu sais, pour faire semblant de pas écouter les conversations, tu sais. Bonjour. Bonjour. Hey. Servir un plat. Modifier la commande. Je peux modifier la commande? Apparemment. Ok. Ah oui, fiou! Je vais apporter une bière. Il est dégueulasse, ils se la foutent dans le cul. Ah ouais, non, ils font... Je crois que dans la région, en fait, c'est coutumier que quand t'as fini de manger, tu fais caca et tu l'étales sur ta vaisselle. À Skip, ça porte bonheur, je crois. C'est ce qu'ils font avant d'aller faire un donjon. T'es horrible. Fermez la taverne. Ça fait mal! Non, on ferme pas. Ça paye combien? 21 or? Bah, si, ça va. Ouais, bah, c'est... C'est pour ça qu'il faut pas acheter trop en fait, faut tourner sur le même truc, ça va, c'est tranquille. Va laver ta pierre. 21 d'or, 18 d'XP. Va laver ta shop, allez. Non, elle est pas... Bah elle est où? Bah dans... Non, mais tu peux le faire aussi. C'est bien ce que maman disait, hein, tu t'es pas capable de faire ta vaisselle. Vas-y, on va fermer avant qu'il y ait... On peut continuer à économiser hein, ensuite. J'ai l'impression. En fait, là, ils viennent un par un, on se fait un peu chier, quoi. Oui, mais. Vas-y, j'ai fermé. Servez 10 plats. Bah, c'était bien la peine de fermer. Ah, connard. Bah, je vais rouvrir. Alors, en vrai, rachète de l'orge, s'il te plaît. Rachète de l'orge. Genre, quoi, on manque de quoi? De porridge? C'est que, ouais, là, il nous en reste plus qu'un. Et là, je peux en faire qu'une seule, une dernière fournée. Bah, ouais, mais je veux bien racheter de l'orge, mais ça coûte 120, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui nous manque là? C'est tout. Il nous manquait que de l'orge. C'est que pour le porridge? Ouais, non. Ouais, mais c'est gens... trop calme. Coucou Annie, comment va? Salut Annie. J'aime pas, pas trop beaucoup ça. Hein. T'as toujours pas rempli ta shop et tu as pas posé? J'en ai plusieurs des shops. Alors non, attends, ça je le veux là, voilà, tac. Ce qui est important c'est là en porridge d'orge. Voilà, cuisiner. Et merci du follow, cœur de Vendouze. Il faut m'expliquer ce que ce pseudo. Hein. C'est la version Wish de cœur de Vandal. Cœur de Vandal. Comment bien c'est accueillir les nouveaux follow, je vous présente Sheka Gamer, allez voir son stream. Je ne suis pas responsable de ce qui ici vous insulte.
Je ne vous insulte pas, je pose des questions tatillonnes. Attends, comment ça on peut pas se renommer? Pénis. Je veux de bière. Une bière pour la 1. Il y a du foin là qui traîne là, je t'ai vu avec ton balai. Il y a des toiles d'araignée qui commencent à s'installer. Oh là là, je fais le service et lui il fait rien. Ouais, bah c'est ça être un patron seul. Non, ça c'est être un enfant de putain. J'aime bien être un enfant de putain, hein. Ensuite ça m'a appris beaucoup de choses sur l'économie. Hein. Ah bah c'est sûr que quand ta mère est... Règle numéro 1, si l'homme a un pénis, il dépensera toujours en pensant à lui. Je confirme. Petit porridge, bonjour monsieur. Un homme sain avec un pénis sain. Comment ça c'est pas la phrase? J'ai voulu gratter plus de clés, sachez qu'on peut jouer jusqu'à 4 à ce jeu. Hein. T'exagères aussi de vouloir gratter plus. Ils m'ont dit ouais c'est chaud mon ref. J'ai dit ouais. Ouais mais je me suis dit vas-y ça pourrait être marrant à 4 tu vois. Ouais. 32 d'or, ils payent de plus en plus quand même. Ah bah encore eux. T'as pris c'est de l'assiette du monsieur, bah je prends un commande. Bonjour madame, un petit porridge. Vous avez vraiment des goûts de merde dans le coin. Heureusement que j'ai cuisiné que ça quoi. Voilà. C'est ça à mon avis c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Ah le porridge est prêt là. Alors je sais qu'il est prêt. Putain ça manque d'animation tu vois même... Ça manque d'animation en fait, hein. Ça manque de musique. Ça manque madame, de musique. T'as pas de musique bah, moi j'ai une musique. Bah, j'en moi, j'ai une... Deux chopes, excusez-moi madame. Ah ouais, excusez-moi. Tu vois bien que c'est une grosse aventurière. Ah bah avec ça se voit qu'elle a froid, hein, faut qu'elle se réchauffe. Très gros muscle. Ah elle est bien musclée la dame. Elle est très musclée là. Bah, il dit, celle, tu te rends compte que t'aurais pu, j'aurais pu avoir 7 avatars. Elle va bientôt participer à Physical 100. Ouais. Celle, tu te rends compte que j'aurais pu avoir 7 avatars et booster de 300% tes vues. Non mais franchement, je trouve ça honteux. Prends, hop. Alors bonjour madame, une chope de bière. Ouais mais chope, c'est toi qui les as toutes là. Non, il en reste une. Ah oui, il en reste une, je l'ai pas vu. Oh, nouveau niveau de taverne, une table ronde et un coffre. Ok, ok. De l'XP. Quoi de beau, Annie? Ce soir on va vivre la vie des Québécois en fin de stream là sur un des jeux de du test. On va savoir ce que c'est d'être Québécois en hiver. Il y avait pas déjà un jeu comme ça s'appelait comment? C'était Frostpunk, un truc genre, non? Alors ça c'est plus les Québécois, ça c'est juste la fin du monde. Encore différent. Comment ça, il y a plus d'autres? Hein? Connard. Non, parce que on va jouer à Snow Plowing Simulator. Et tu vois Low Mowing Simulator? Bah c'est la même mais avec des déneigeuses. Alors, pour moi, l'homonyme, ça vient de l'aumône, non, rien à voir, non, Chica, putain, tu parles anglais, arrête de faire. Bah oui, je parle anglais, l'aumoneur, l'aumoning, la tondeuse, charrue simulator, mais non, déneigeuse, ah oui, non, mais vous, les déneigeuses, vous appelez ça des charrues? Possible. Ouais, celle, viens mettre un... Pourquoi il y a plus de... c'est toi qui as toutes les bières, hein? Non. Non mais je les vois pas de l'autre côté, je suis aveugle. T'es bigleux. Ouais non, mais non, c'est qu'elles y sont pas. Ah il faut des porridge, il faut du porridge en fait. Oui merci mais j'attends en fait la vaisselle. Attends, il y en a, il veut pas se barrer là. Casse-toi. Il est bourré. Comment je fais pour jarter, chasser le petit en dessous? Ouais c'est ce que j'essaie de faire mais... Je lui mets le balai dans la gueule, mais ça marche pas non plus. Ah, le balai dans la gueule, ça marche. C'est bon, le balai dans la gueule, je... Marcel, gère la taverne, je vais acheter des trucs, parce que moi, ça me commence à me gonfler. De quoi? Tu vas quoi? Attends, mais... Les verres, mais t'as les assiettes, t'as tout. Non? J'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé, mais j'ai y a pas tout... qu'une assiette. Ah si, il y en a... Si. Ouais, mais il y en a une, c'est une cliente qui l'a, c'est pour ça. Voilà. Achète juste un sac d'orge. Juste un shot d'orge, hein, pas bon. Motard. Mais quel débile, il achète plein de trucs. J'ai acheté de la bouffe. Mais non, t'as pas acheté de la bouffe, t'as acheté des couverts. Oh, j'ai vraiment de la bouffée. J'ai vraiment de la bouffée, ta race.
Ils consomment ce qu'on vend. J'ai de l'orge sur moi en plus, il n'y avait pas besoin d'en acheter. J'ai pas acheté de l'orge, connard. Ah, attends, on est comment? On fume bien. Il nous en reste un. J'ai mis de l'orge, il faut en... Oui, bah ça va. Elles sont passées où toutes les bières? Dans mon estomac là tout de suite. Ivrogne. Bah c'est toi là qui me donne envie de boire. Ah putain, et tu peux en porter que deux à la fois hein, des plats, hein, tu remarques. Des quoi? Attends, même si tu peux porter que deux plats à la fois. T'es sûr que c'est pas parce que t'en as que deux qui sont pleins? Bah non, parce que j'ai... Attends, si ça se trouve elles sont sales. Ouais, ah ok, elles sont sales. C'est juste qu'il n'y a pas de différence entre les skins quand c'est propre et quand c'est sale. Si, il y a le texte qui change. Salut, qu'est-ce que vous... Salut, connasse, comment tu vas? Ah là là. Une chope de bière, il y a une ivrogne encore. S'en débarrasser. Ok. Ça va, ça tourne bien là. Ça commence à bien tourner. Il va falloir. Dis, casse-toi. Ouais, le balai. Allez ah, allez. J'ai juste instant fermé. Allez. Je lui ai mis le balai dans la gueule, le jeu il s'est instant allez, fermé en mode. Allez, on sort. Allez, va dans une autre taverne là. Va picoler ailleurs, dégage. Ah, c'est incroyable. Ivrogne. 245. Eh, ça montait vite là, résultat. On a enchaîné un peu. Bah, c'est sûr, on s'est fait 5 clients. Je vais acheter de la table. En vrai, ouais. Je vais acheter de la table. Je sais pas si je peux pas te mettre. Bonjour, je vous sers quoi? Tac. Un porridge, c'est parti, Mdem. Un porridge pour les. J'en ai mis un là. Assiette sale. T'as dit que tu voulais acheter la table, c'est ça? Ouais, non, mais oui, je vais y aller. Non, okay. Laisse-moi acheter la table. Allez faire des... C'est toi le dernier qui allait faire des courses. Bon, je fais juste la vaisselle. Achète de l'orge. Hop. Juste la vaisselle et de l'orge, oui, de l'orge, je vais acheter ça. Routine de la taverne. Tu veux racheter de la... Alors, racheter de l'orge. Hop. Et fût de bière. Ah, c'est 200 le fût de bière. Non, t'en fous du fût. Ah, parce que c'est de l'orge. Ah oui, non, oui, on fait du fût de bière avec de l'orge. C'est juste que c'est chier, faut le faire avant, quoi. Étagère à assiette. Ah, étagère à shop, coffre, poêle. Bah, en vrai, achète les shops. Hein. Ouais, j'ai envie d'acheter une petite table, mais c'est 200 balles. C'est 200 balles. Non, mais tout est à 200, 300, il nous faut de la thune. Ouais, c'était plus. Est-ce que c'était ouvert? Ouais, mais on était. Non, mais ça monte vite. En vrai, tu veux que je refasse de l'orge? Il faudrait que tu reprennes de l'orge. Et surtout, ce qu'il nous faudrait, c'est un. Comment ça s'appelle? C'est un autre jeu de shop, hein, parce que là, je sais pas où sont passés les trois. J'ai des assiettes, mais comme on n'a pas d'étagère, je peux pas les poser en fait. J'ai pas d'étagère à vaisselle deux, en fait. Deux shops pour labourer, une. Ah si, avec G là. Voilà, je peux les poser comme ça, voilà. Voilà, il y a deux assiettes là. Hop. Et un seau d'eau et de l'eau. Je suis en train de refaire de la bière et je vais lancer de l'orge juste après. Nickel. Ouais, parce que moi là je peux plus rien faire. Moi tout ce que je peux faire c'est remplir les shops. Tac, on s'en fout, on a dit. Voilà, ça... comment on le pose donc c'est 0, c'était ça. Donc t'avais dit que c'était G? Ah ouais, tiens. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me donnes? Le fût vide. C'est un fût vide? Bah on peut en faire quoi? Ouais. Genre c'est foutre, hein, c'est pour ça que je te le donne. Salut, c'est pourquoi un peu riche, une. Ok, le porridge est prêt et la bière c'est en train. Un porridge et pour madame, un autre porridge. Hop. Je suis en train de... Ah, faut qu'il me refaut de la bière, de l'eau. Hop, hop. 3. Si jamais t'entends que ça gueule en italien d'ailleurs, c'est normal, c'est mon père qui engueule les gens. Hop. Hop, la nouvelle bière, c'est en préparation. Et ma bière, je l'attends, bougez-vous. Non, ta gueule, dégage. Je prends pas les connasses. J'ai le droit, c'est une amie. Pour ceux qui sont pas contents. Variété 75%. Il commence à se faire chier, hein. Commence à se faire chier. Tu peux faire un coup d'or, s'il te plaît. Enfin, hein? Un coup de... De quoi? La bouffe. Grain de maïs et maïs à la vapeur. Attends. Ouais, non, on fait une dernière tournée, on n'achète plus rien, on vide nos stocks et ensuite on ferme. On vend ce qu'on veut. Bonjour, service client.
On vend quoi aux gens respectables? On vend ce qu'il nous reste. T'as nettoyé les trucs? Il y a des trucs à nettoyer? Ok, donc en fait, ils nous offrent deux premiers fûts. Celle, ils nous offrent les deux premiers fûts et ensuite on doit les remplir. Ah, c'est en utilisant ces fûts, d'accord, ok. Voilà. Ok. Alors, je te prie, je ne suis pas un pédophile, tu ranges ce commentaire. Quoi? On me traite de pédéraste dans le... dans les... dans mon chat. Pardon? Excusez-moi? Comment ça... Ouais, non, elle s'amuse. Chope de bière. Ça dérape toujours avec lui. Ouais, j'aurais dû lui dire non, le stream pas au final. Je me suis dit tranquille, ça va lui faire du contenu. Ah, moi je t'ai dit, hein, mais bon. Ah oui, je t'ai dit, c'est chez moi ça va TRN. En plus, c'est vrai que je t'ai dit. Bah, t'as été prévenu, hein. Il y a un couple qui s'est trouvé là, j'ai l'impression, ils sont en train de se pécho de ouf. Alors, Porridge, tu me fais quoi, une bière s'il te plaît? Ouais, je vais surtout nettoyer ma shop. Allez, l'ivrogne, on se casse. Hop. Et on a plus de porridge, vas-y fais... Ah si, il reste 3 de porridge. Oh, ça va, hop. Allez, on ferme. Il nous reste... Ouais, on peut fermer. Ouais, non, il nous reste du porridge. Il nous reste du porridge, ok. Ouais, il nous reste un peu de porridge, faut juste espérer que les prochains clients... Ouais, non, vas-y, ferme. Ah, mais les... Hop, les shops sales... Ah ouais, non, il y a une collection fermé. De shops et de... Bah, si t'as tout sur toi, ouais. Ah non, j'avais pas tout sur moi, tout était sur la table, en fait. Ah, quand t'as plusieurs trucs, ça te fait un seul passage, c'est bien, ça. Assiette sale. Ah non, c'est juste les shops ou les assiettes, quoi. Ah, alors, qu'est-ce que je prends? Je prends une table ronde? Non, on va prendre un coffre, quoique... Non, achète rien, Je regarde. N'achète rien. Attends, deux secondes. Parce que quand je regarde dans les aliments, on peut rien acheter. Donc bon. Dans les aliments, on peut rien acheter? Bah attends. Ouais, on peut acheter que de l'orge, quoi. Je vais voir. Recette, maïs à la vapeur. Ouais, mais en fait, faut acheter les graines de maïs. On me propose pas de graines non plus. Et une nouvelle quête en plus. Voilà, en fermant le truc. Parlez au marchand. Vas-y, viens, si tu veux voir du dialogue, de toute façon, il va rester affiché longtemps. I mean, learning to grow your own plants. In the backyard of the tavern, there are garden beds and a creature that will be your guide into the fantastic world of plants. Au jardin de la taverne, vous trouvez des créatures fantastiques cheloues. Ok, trouver un type mince, c'est flippant. Ouais, parce qu'il y a du PVE, je crois. Ah, super, on va tomber sur... C'est ça. Trouver un type mince, c'est flippant. Bah, c'est lui, là. Vas-y, je te... C'est l'épouvantail. MDR. Hello, scary. My mother said I'm handsome. Mais moi, je fais la vaisselle en attendant. Ma mère, elle a dit que j'étais spécial. C'est exactement ce que je viens de dire. Ma mère, ma vie, j'étais spécial. Non, c'est drôle, c'est un épouvantail qui parle. Viens voir, il est drôle. It used to be a wonderful garden. There was a whole field of magical weed growing here. Ouais, il est un peu drôle. Des herbes magiques qui poussaient ici, c'était la bonne époque. Ah, j'ai cru, il avait marqué, c'était de la bonne. C'était de la bonne herbe. Bonne herbe magique, t'as vu? Sals pareil. Cannabinoïde. Panacé. Ah, c'est ça, Thalassé. Endked. Tu vois, il va falloir investir pour faire tous les. Je crois que je vais. Ok, donc ils disent... Oh, on peut pas le tuer. Non, mais non, c'est un copain. Vas-y, il va nous aider. Voilà, faut nettoyer ici. Et ensuite, faut acheter des graines de maïs. Hop, il y en a encore un peu là. Ah, c'est oui, quoi le jeu? Coucou Riano, comment on va? C'est Al and Tall Tavern. C'est un jeu de simulateur de taverne, gestion de taverne, simulateur job sim de taverne, mais avec la particularité d'être en coop. Retournez voir les pointailles. Il est en train de parler? Non, parce que je lui ai pas parlé. Ah d'accord, ok. Bah vas-y. Moi j'étais en train de venir te chercher. Et je suis avec Sheka Gamer, vous voyez souvent dans le chat. The job is done. Yeah. This place looks like a vegetable garden now. Ouais, c'est de la permaculture. Do you know where I could get some seeds? But that's illegal. Comment ça, les graines, c'est illégal? Oh,
Bah oui, t'as oublié depuis qu'il y a, non, il y a un impôt sur la graine maintenant. Ah non, il parle de, la, de l'herbe seulement, il parle pas des graines de céréales. Oh. Donc c'était bien de l'herbe magique. Thanks, I'll go look for it. Ok. Le marchand. Il nous a donné un peu de thunes, je crois. Toi, t'as des lunettes roses, ouais, bah on a fermé, on était à 300 et des brouettes et on est à 487. Ouais. Attends, quoi? Faut aller trop loin? Faut aller trop loin? Cataclope, c'est ça, le moment ça où il faut commencer à récolter des trucs. Ok, là, il y en a un. Base sauvage. Ok. Une araignée! Suce à l'araignée! Comment ça, une araignée? Trouver des graines sauvages. Des grains sauvages de maïs. Mais attends, t'en vois d'autres? T'en vois d'autres là, des grains sauvages? Il y en a d'autres là. Elle est morte! Elle s'est bouffée ma hache dans la gueule. T'as peut-être trouvé des... Il y a des champis là. Champignons émeraudes. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On peut avoir... Oh, de la bœuf. T'as trouvé de la bœuf? Non. Non, c'était du maïs. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que cette barrière est magique. Je sais pas où t'es en fait. Je sais pas où t'es. Perdu dans la forêt. En train de chasser l'araignée. Je crois que je te vois très 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 loin. J'arrive. On n'a pas besoin de chasser l'araignée. Ah, tu veux dire l'invisible shield? Oh, t'as affronté ça là? Ouais, bah c'est la deuxième déjà que je bute. Oh, bah il bute pas pour l'instant. Ça se trouve, on va se prendre un raid. C'est comme dans Grounded, ils font des vengeances. Bon, allons planter notre maïs. Tais-toi, t'as les... Pas là, il y a une taverne. Bon, ça, bah, il y aura peut-être une annexe plus tard. Viens. Oh non, les petites araignées. Mais je ne te vois pas. Mais m'en fous, vois-moi mieux. Bah oui, mais il fait nuit, connard. Allume la torche. Comment ça, t'as pas acheté de torche? On va pas acheter de torche, ça coûte la peau du cul. Merci, Taigo du follow. Ratzel, par là, il y a une taverne. Bah oui, c'est un autre connard. Je te déteste. Bon, viens, on va retourner voir l'épouvantail. Attends, fais voir, est-ce que si je marche sur le côté, je vais plus vite que toi? Non. Est-ce que le bunny hopping nous fait aller plus vite ou pas? Non. Remboursé. Non, remboursé, mais souvent en diagonale. Souvent en diagonale, tu peux. Y'a un mort. What? Y'a un mort vivant! Toi, tu les as chauffés là! Y'a des... Ils sont dans la taverne! Wesh! On a dit pas d'étrangers chez nous! Dégagez! Plus surtout pas des morts vivants. Récupérer. Attends, y'a des trucs. Mais non, mais je peux pas la récupérer. Dégage toi, je sais pas. Bah, c'est normal, je les ai déjà lootés. Ils avaient quoi? Des abats et des flèches. Ok. Hey there, I've got the seed. Are those the ones? Oui. The ones. Wow! I wasn't. Can you tell me? Labourer la terre avec une houe, planter les graines, arroser avec l'arrosoir, ajouter de l'engrais à bon vouloir. Ok, donc il nous faut une houe. Tu t'achètes une houe? Ou j'achète une houe? Attends, je change déjà la bière. Ok, j'achète une houe quoi. On en achète qu'une pour l'instant. J'essaie. Outillage, houe. Moi je vais préparer déjà les shops. Routine de la taverne. Mais y a pas de... Ils vendent pas de où? Faut qu'on monte de niveau. Ah, je crois qu'il faut qu'on monte de niveau. Routine de la taverne, ouais. Je crois qu'il faut qu'on monte de niveau pour débloquer... Hein? Il faut qu'au moins qu'on achète un coffre, parce que si on doit stocker tout... Allez, pose-le au sol dans un coin. Oui, maman. Bien, maman. 487, fais voir qu'est-ce qu'on peut acheter. On va déjà acheter une table. Alors déjà achète de l'orge. Deux d'orge. Parce qu'on a plus de bière, on a plus de bouffe. Et voilà, on a plus de thunes. Ah, donc, par... là, ça fait ah peu, par ça contre fait léger, tu peux vendre des trucs que t'as déjà trouvé. Oui. Bah, vends tes merdes. Oui, c'est ce que j'ai tenté. Ah mais t'as du stuff en fait, les 8 c'est juste les 2 premières lignes, c'est bon, on a de la place en fait. Les deux premières lignes, c'est juste que c'est les trucs que tu as dans ta barre de raccourci. Là, je peux pas le foutre. Ah, si. Bah, ça marchait pas quand j'essaie. Peut-être qu'on les avait pas débloqués, peut-être qu'il fallait qu'on avance. Bah, vas-y, faut ouvrir, hein. Bah, attends, je vends d'abord. Ça te va?
Alors on est retourné à 500, ça te va? Ouais, quand... tout ce que... Qu'est-ce que t'as vendu à 400 là? Tout ce que j'ai vendu, tout ce que j'ai looté sur les mobs. Alors... Et t'avais... Tu m'as dit vends tout. T'avais tout quoi vendu. Et t'avais quoi résultat? Des abats, des flèches et du venin. Peut-être qu'il fallait pas vendre les abats. Peut-être qu'il fallait pas vendre qui coûtait 400. Bon bah écoute, je vais acheter de la déco. Non, on n'achète pas de la déco. Mais si, on va acheter de quoi ranger. Bah oui, justement, on va acheter. Bah oui, justement. Pas de la déco. C'est de justement la pour les assiettes et les étagères. On investit dans le stockage. Ok, mais j'achète un coffre et des étagères à assiettes. Et, Je suis déjà devant, donc je vais le faire. Non, c'est bon, je l'ai déjà fait. Orge, outillage, il n'y a rien d'autre. Grains de maïs. Ah, mais on peut lui acheter des grains de maïs. Et un autre flux. Alors, avec la torche, on peut mettre le feu à des objets. Ouais, j'ai pas envie de tester là tout de suite. Très très envie de tester. Je sais pas à quoi ça te sert le coffre. Tu veux en faire quoi en fait? On a rien à mettre dedans pour l'instant. Bah, on a rien à mettre. Ah oui, non, mais de toute façon, on a. Ouais, mais je suis en train de me dire qu'en vrai, on aura pas le temps d'avoir besoin de stocker. Ah oui, sûrement, mais. Voilà, une petite étagère à assiette, tu vois là. Alors, du coup, moi je propose que tant qu'à faire, autant le foutre de façon RP, c'est. On le pose ici. Voilà, c'est quand tu rentres, tu déposes tes armes. Voilà. Et tu rentres, tu déposes tes armes. Oui. Voilà. N'empêche, du coup, c'est toi qui as l'orge, c'est toi qui as tout, et moi je vais ouvrir la terre. Il me faut. Pendant que tu cuisines. Seau d'orge. C'est ouvrir. Hop. Voilà, la taverne elle est ouverte. Je suis en train de remplir un petit seau d'eau. On va peut-être remplir pour l'eau de la vaisselle aussi. Vous pouvez le faire. Je l'ai déjà fait normalement. Ouais, mais ça se vide tout le temps en fait. T'as 10 utilisations. Ouais, non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il me semblait l'avoir déjà rempli à donf, mais t'avais pas fait ta vaisselle avant. Ouais. Fermenteur, bah là j'avais pas de vaisselle. Pourtant, j'étais sûr d'avoir plus de chopes que ça. Hein. Plus de chopes, plus de porridge que ça. Hein. Ça, elle ramène les assiettes. Mais les assiettes, elles sont sur l'étagère à assiettes. Oui, mais tu as rangé où l'étagère à assiettes? Bah, à côté de du lave-vaisselle. Ah ouais, mais t'es... Ouais, mais plus discret aussi la prochaine fois. Bah, je te l'ai montré. Non, tu l'as pas montré. Si, mais non. T'es une petite puce qui court partout, là. Ah oui, c'est le but d'être un tavernier. T'as ouvert? Oui, je vais ouvrir. Salut, Sally. Ah ouais, y a un client qui a l'air d'arriver. Pom, 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 pom. Balaye. Ouais. Ah c'est peut-être un peu sale, ouais, effectivement. Ah ouais, il y a de la toile d'araignée ici. Pas de tâche. Ah oui, carrément, même pas elle dit bonjour, même pas elle fonce directement. Une chope, une bière. Voilà, ce que je vois, ils ont enfin compris qu'ils avaient des points pour me martyriser. Ils ont enfin compris, c'est bien. Après bientôt un an de... 2 ans de stream, ils ont enfin capté qu'ils pouvaient me martyriser avec des points. C'est bien. Ils sont un peu lents, hein. Qu'est-ce que t'en penses, elle? De quoi? Ton chat? Ouais. Ah bah le chat est représentatif du streamer, tu vois. Toi t'es un peu ma part de droite, non, tu vois. Ils sont censés être de droite du coup. Non. Ok, ça c'est bon. Hop, de l'eau, un peu de malt. Hop. Voilà. Moi je l'ai toujours su. C'est bien. Je vais acheter un deuxième truc à poser pour poser les fûts, tiens. Bonne idée. Mais on a deux fûts, tu vois, on a qu'un seul. On a deux fûts, mais on n'a pas deux porte-fûts. Ah ouais, c'est... Bah, on va attendre, hein. C'est combien? C'est 200 400? Ah, cher. Trognon. Non, mais wesh. Non. Wesh. Qui a acheté... Il y a quelqu'un qui a acheté un trognon à recycler dans le composteur. Ah, on va garder ça de côté, ouais. 195 d'or, ok. Niveau vaisselle, c'est comment? Il manque pas grand chose. T'as mis. Ah ouais, non, t'as le deuxième fût, tu l'as sur toi? Le deuxième fût, oui, je l'ai sur moi. Je pourrais te dé. Attends, putain, je. Alors, autant je sais que j'ai une orthographe à la bite, hein, mais ça veut dire quoi 8D? Hein? Ça veut dire quoi 8D? Comment ça 8D? 8D. Je pourrais te pourrir 8D. Non, je comprends pas ta phrase. Bah moi je comprends pas la sienne.
T'es sûr que c'est pas juste, t'as pas Better TTV et résultat, la mini mode que tu ne vois pas. J'ai Better TTV d'activer. Moi, je suis censé l'avoir activé, mais il marche pas. C'est pour ça que je comprends pas. Orge. 227. Bonsoir, en fait. Oui, bonsoir, Sally, putain. 200. Cuisinier mais porridge oui. Bouge ton cul. J'ai acheté un deuxième porte-fus. Et un deuxième porte-fus. Ouais. Ah, mais cassez-vous! Va vomir plus loin! Cassez-vous, les prolos! Casse-toi, la hippie, là! Espèce de rasta blanc de merde! Casse-toi! Allez! Allez! Ah, c'est ça, c'est la porte. Allez, vas-y. Tu vois les deux, ils sont ultra sympas, mais t'sais, au moment où t'as payé, t'sais, t'as payé, c'est fini. T'as payé, c'est fini, y'a plus de discussion, tu te casses, y'a 8 places assises, cassez-vous quoi. Comment vous allez? Comment tu vas, Sel? On me demande dans le chat. Bah écoute, j'ai chaud actuellement. Barman, cuisine! Très chaud, mais sinon ça va. Impatient de voter dimanche. Barman, cuisine, bouge ton cul, esclave! Hop, hop, je nettoie les assiettes, je les repose là. Quoi, tu voulais autre chose? Ah, c'est bon, regarde, deux pauvres de porte-fume par. Il insulte, cuisine! Il insulte tous les clients. Sel, ouais. Bouge ton cul, cuisine! Non, je suis occupé là. Oui, mais cuisine, on n'a plus rien. Et c'est toi qui as tout l'orge. Comment ça? Écoute, non, j'ai plus d'orge là. Bah merde, il me semblait que t'avais tout l'orge. Bon, bah du coup, je vais aller claquer 120 balles. Ah, ouais. Faut que t'en mettes 5 dans la cuisine et il y en a 5 qui sont dans le truc de brasse prêt à brasser. Voilà. Y a du favoritisme ou quoi? T'insultes Sally? Oui, sauf que elle aime ça. C'est ça le truc. Arad, je te. Preuve! Voilà. T'attends 5 secondes, tu vas voir. Voilà, tu vois dans le chat. Oh oui, vas-y, insulte-moi! Voilà. On a le chat qu'on mérite et moi je le sais bien. J'ai envie de canner. Ah oui, hein, je t'ai prévenu. Ouais, hein. Ta relation avec ton chat me cringe tellement. Ma relation, c'est du je t'aime moins non plus. Je dirais pas ça. Exactement. T'as mis l'orge dans la machine à massage comme je t'ai demandé? Non. Non, est-ce que tu peux mettre l'orge qui reste, tes 5 d'orge qui restent dans la machine à brassage? Oh, s'il te plaît. Non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? On a besoin d'orge. Parce qu'on a déjà 16 bières. Oui, oui, oui. On a largement du stock. Une assiette là, hop. Et voilà un porridge tout chaud, monsieur. Ah, tu vois, ça joue dans mon chat. Je pensais jamais dire ça dans. À voix haute. Je pensais jamais dire ça à voix haute. Moi, ce qui me fait jouir, c'est de mettre un bulletin dans l'urne. Tout en sachant que les. Il y a aussi une relation sadomaso aussi, c'est quand t'es de gauche, hein, parce que tu sais que tu vas perdre. Mais tu continues à l'être. Non, cette fois faut qu'on gagne, sinon le pays va. Tout va cramer quoi. Bon, les clients par contre ils viennent à pas un quoi. On a besoin d'argent nous. Hop. Hop. Stream crashé. Ton stream, toi chez toi, y'a tout qu'à cracher là chez toi. Chez moi ça va. Co-cracher. Ah ouais, non mais tout. Ah oui, effectivement, tu n'es plus de là. Effectivement, c'est calme dans mes oreilles. Effectivement. Effectivement. Oui, effectivement, ça fait crash. Ok. Ouais. Je me disais. Tu vois, c'est bizarre, il parle plus. Je me disais, c'est calme. Ah, j'ai le jeu qui a crash, re. Voilà. Ok. Mais pas tout qui a crash en fait. C'est ton explorateur qui a crash en fait. Allô, j'ai ma quoi, elle a dit. Je suis là. Elle a dit c'est 20h, dégage. Je suis là. Ah ouais, toi, ouais, la campagne quoi. C'est ma quoi, elle a fait. T'as donné une bière, hop, une chope sale, des assiettes. Vas-y, je vais tout nettoyer. Ah non, t'y vas aussi. Je vais tout nettoyer, ok. Ah ouais, d'accord, il m'a balancé l'assiette au sol. Et au sol, qui plus est. Je me casse. Hop, wash. Okay. 50 de vaisselle. 50 déjà. Parle anglais, connard. Wesh, 50 de wesh, vaisselle. 50, de vaisselle. Ouais.
les jeunes gens modernes. Biche ma biche. Je vais racheter de l'orge aussi. Biche ma biche. Attends, en vrai, le jeu, hein, il est bien. Ouais, mais pour l'instant, on avance pas trop quoi. Bah, ça fait une heure donc en vrai, on va ça pas avancer. Heure. Ah ouais, on a 55 minutes. Ah, vas-y, 5 minutes de plus. Attends, au moins qu'on plante le maïs quoi. Ça, faut dire ça à mon rendez-vous de 20h. À ton rendez-vous? Ah ouais, tu me trompes et tout déjà? Ah ouais, d'accord, ok, non mais je vois, hein. Sel. Je vois, t'es je au vois. Courant que... Bah attends, deux secondes, il y a une ivrogne, je l'ai dégagée. Barre-toi! Sel, casse-toi, hippie de merde. Mais... cassez-vous! C'est pas là, la porte! Vraiment, allez! 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 Vous bloquez les autres! Vous bloquez les clients en plus! Vous. Attends, Sel, fais voir. Oui. Bouge pas! Bouge pas, viens là, bouge pas. Non, ça ne fait pas de dégâts. Non, il y a pas de... Non, je voulais voir si tu pouvais te pousser parce que j'ai l'impression d'être poussé. Non, je crois que c'était parce que... C'est parce qu'il y avait un PNJ. Il y avait deux PNJ, le jeu était en PLS. Voilà. Hop. Bon bah vas-y, bah écoute, si tu dois filer, casse-toi, je vais finir un peu tout seul, moi. Ah non, c'est bon. Toi aussi, casse-toi, ta gueule, aide-moi. Va te faire. Routine de la taverne, faut qu'on économise. Vraiment qu'on économise. J'aurais bien aimé planter le maïs. On vend plus de ventes. Ça revient à un plat, une chope. Pars-toi. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, mais t'as le truc, il faut level up. Ouais, parce qu'il faut la comment où, on connaît son XP? Il faut la où. Putain, il faut encore d'XP. Statut, il faut que dalle d'XP, ouais. Réputation. En fait, vous allez recevoir davantage de clients à la taverne. Oui, ok. Putain, elle met de l'eau dans la wash. Dans la washing. Dans la washing. La washing. La washing. Alexa, ferme ta gueule. Putain, elle me saoule vraiment. C'est pour ça que moi j'ai pas mis Google Home à la maison, c'est parce qu'il me casse les couilles. En vrai ça allait, mais elle est de... Je sais pas, elle essaie de se rebeller depuis quelques temps là, c'est une dinguerie. Ça c'est depuis l'événement. Non mais c'est dès que tu dis Alexa, Alexa, Adexa, un truc qui ressemble à Alexa, elle est un peu sensible, mais des fois elle l'est pas. Mais en vrai, elle est, c'est ultra pratique, nous on a vraiment mis toutes nos lumières dessus alors qu'on a pas assez d'interrupteurs. On peut faire différents types de profils, changer les couleurs des lumières. Ah l'enfer. Voilà. Non, mais c'est bien, tu dis Alexa, mode chill. Et elle est. Ouais, elle commence à se mettre à genoux et à me pépondre d'art. Voilà. Oui, sauf qu'Alexa, c'est un homme en plus. Ah, si pour toi, Alexa est un homme, c'est comme tu veux. Moi, Alexa, c'est Yel. Ouais, c'est un robot, ça n'a pas de genre, techniquement. Ta connexion est aussi instable que moi. Non, ma connexion n'est pas aussi instable que ta sympathie. Je te rassure. En tout cas, elle est aussi instable que mon état mental. J'allais faire cette blague, tu me niques, tu me dégages. Tu me dégoûtes. Bière. T'as on est combien eu, un peu de thunes. 190, il reste pas grand chose hein. De l'eau. De l'eau. Ouais, je suis en train de tout nettoyer moi. Faut de l'eau pour quoi? Ouais, faut de pour l'eau. La bière. Pour refaire du malt d'orge? Non, pour l'autre. Ok, je l'ai pour mis, la j'ai mis l'eau. Allez. Nickel. Alexa, éteins la télé. Non, des fois faut être précis quand même. Alexa, coupe le disjoncteur. Non, c'est pas, le disjoncteur n'est pas branché dessus. Chope de bière anglaise et chope de bière anglaise et chope de bière anglaise. Toi qui as les chopes? Moi j'ai une chope. Moi j'ai une chope. C'est que j'ai aucune chope. Bah ouais, mais moi j'en ai qu'une. Bah, c'est qu'il y en a deux sur la table. Ouais, c'est ça, il y en a deux sur la table. Je les ai prises, je vais les nettoyer. Allez, ivrogne, on dégage. Deux pourris. Putain, c'est qu'à la fin la bougresse. Ah, elle revient de tuer un dragon, ça donne l'écrou, hein. Go crash. L'écrou de dragon? Oui. Ah, j'avais pas vu que... Pardon. J'ai pu... Ah, c'est barré. Ah, il y en a une qui a... Ah, il y a quand même un temps. J'avais pas vu que la bulle descendait, en fait. Il y en a une où on a perdu une cliente. Bon, Sally, ah, merci non, du bon. Sub. Non, je crois que c'est bon. Ah, Sally qui a offert quand même 42 subs sur cette chaîne. Hein, depuis qu'elle est, hein. 199 d'XP. Ah, fous-toi de ma gueule. Chope de bière.
Comment tu frottes gentiment les gens? Comment tu frottes gentiment? Tu connais, est-ce que tu connais Frottman qui frotte la veuve et l'orphelin? Level up! Yes! Est-ce que résultat, si on ferme steak de sanglier fruit, ça veut dire qu'on, je sens qu'il faut aller chercher de sanglier, de ce que j'ai pu voir. Ouais, j'ai pas compris, il se passe quoi? Outillage. Il se passe qu'on peut faire un sub, connasse. Dis merci. Potion de vie. Ah, ils vendent des bobos. Mais il n'y a pas de où. Donc en fait, pour l'instant, non, il y a... Yo le chat OBS, sur OBS qui bug. Oui, c'est exactement ça. Bah en fait, non, la où, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout... Pour l'instant, on doit se démerder, en fait. La où, c'est loin. Non, ouais, y a rien. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Mesdames et messieurs. Pareil. Par contre, attends, celle, on a de l'orge. Fais voir les recettes. Autour, boisson. Ah, fais chier. Nous faut du houblon. Casse les couilles. Pour faire de quoi? L'hydromel? Pour faire la bière au-dessus. Ouais, ça, pour faire la bière au-dessus. Ah, la bière au-dessus, ok. Casse-toi. Épine de merde. Conclusion. Bon, c'est très arcade. C'est très arcade, mais vrai. En vrai, j'y joue en off, je pense. Ouais, en vrai, c'est vrai que maintenant t'as le jeu. C'est très arcade. Je trouve ça très fun d'avoir une sorte de petit job team de gestion qui joue en coop. Oh, franchement, très et très qu'a... bien. Le seul truc, moi, je trouve que qui manque, c'est éventuellement des animations en fait. Ça manque un peu de vie, vraiment. Les clients, on les voit pas boire ou manger. Si, on les voit boire, mais on les voit pas manger. Même si c'est le même mouvement, repeat, tu vois, ça serait un minimum. Pareil, je trouve, alors peut-être que ça vient, mais moi j'aime bien qu'il y ait des petites actions en mini-jeu et pas juste on active, on désactive et tout ça. Je trouvais alors justement oui, que non, le jeu de taverne que j'avais fait, tu vois, je trouve que sur ça, je trouve que le jeu de taverne que j'avais, Taverne Simulator, était beaucoup plus fun. Ça avait bien géré les mini-jeux sans être trop chiant, tu vois, et pour être juste assez satisfaisant et pas être une plaie. Voilà, je sais pas, quand je regarde le trailer, il y a l'air d'avoir pas mal de choses, du PVE, du farm, tout en ayant tout le côté gestion, déco et housing. Ah, c'est un free-to-play en fait? Non. Comment c'est un free-to-play? Non, il est Ah non, Al Ental Tavern First Pint, c'est le prologue, c'est pas le jeu au complet en fait. Ah, je crois que c'est ça. Ça sent un nom de prologue. First Pin, oui. Mais en fait, il est gratuit. Mais je comprends pas, il y a marqué Fruit to Play. Ouais, et quand tu es sur le truc, il met. Alental Tavern. Ah non, c'est bien ça, c'est le prologue en fait. Ok, donc en plus, c'est même pas. Ah, d'accord, donc ok, donc ce n'est même pas la version finale. On joue à la démo en fait. C'était la démo, ouais, donc c'était la démo, tant pour moi, Alan Toll Taverne. Et bah, c'était une démo. Et bah, écoutez, je pense qu'il y a plein de choses qu'il y a à modifier et à s'améliorer. Peut-être on y retournera d'ici troisième trimestre 2024 pour voir à quoi ça ressemble. Prometteur, quelques améliorations à faire, surtout au niveau des animations. Et voilà. Et sur ce, la rediff, vous fait des gros bisous salés. Oui, t'as un truc à dire? Ouais, retourne sur le jeu et lève la tête au ciel. Oui, c'est très joli, oui. Oui. Voilà. Faut dire joli. Quand c'est bien. Oui. Voilà. Surtout des petits points. On se laisse la taverne. N'oubliez pas les recettes. La taverne ferme ses portes, cassez-vous. Vas-y, moi, je quitte Discord. Allez, bisous. Ciao.